J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. On s'en mine à mon land à la courante. La famille, je pense que vous avez vu le début. Bienvenue, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Harry, il faut ordonner donc dans les vidéos. Parce qu'aujourd'hui, on va aborder plein de sujets. La famille, on va voir beaucoup de choses. Donc, on va parler aussi de certains artistes qui sortent des clips et des albums. La famille, donc, restez jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne rien rater. D'abord, on va commencer la conférence de Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Peut-être il y a certains de vous qui a déjà regardé, ou bien peut-être il y a certains de vous qui n'ont pas regardé et regardé. Vous-même, vous allez rire. C'est parti. En conférence de presse lundi, Cristiano Ronaldo a enlevé les bouteilles de Coca-Cola devant lui. Lui préfère Ronaldo. Peut-être qu'il aime lancer un mouvement chez les joueurs. Hier soir, après la victoire des Bleus, Paul Pogba. Et certes, j'avais vu la conférence de Cristiano Ronaldo et de Paul Pogba, c'était hier. Vous savez qu'en ce moment, c'est l'Euro qui joue. Et Portugal a gagné contre Hongrie 3-0. Et lors de la conférence, Cristiano Ronaldo, il y avait une bouteille d'eau, une bouteille de coca. Donc, il a préféré d'enlever les bouteilles coca, soi-disant que c'est l'eau qui est bonne pour la santé. Et Paul Pogba aussi, pareil. Hier, France a gagné contre Allemagne 1-0. Lors de la conférence, lui aussi, il y avait une bouteille, je pense, coca et de l'eau. Donc, il a préféré enlever les bouteilles de bière, soi-disant que peut-être, comme lui, il est musulman, c'était pour cela. Maintenant, on va partir voir ce que certains artistes guinéens préparent qui va venir bientôt, la famille. Donc, je vous laisse regarder ce que Bagadawan sont en train de préparer. Ça va sortir bientôt. C'est parti. Regardez ce qu'elle a fait. Vous avez vu le nouveau clip de Bagadawan qui va sortir le 18, ça c'est vendredi. Vendredi là, voilà, le nouveau clip de Bagadawan ça va sortir. Vous savez, il y a un certain moment que Bagadawan a fait danser beaucoup de jeunes en Guinée, on peut dire en Guinée, voilà, il a ambiancé beaucoup de jeunes. C'était un artiste engagé. Harry, quoi, artiste engagé, donc tout le monde, il y a un nouveau son. Harry, moi, j'ai des ambiances, donc Harry, do un wool attack, Harry, d'un an de Bagadawan ça gentil que ma wool attack, parce que c'est un artiste engagé, voilà, c'est un artiste en tout cas qui faisait beaucoup de la musique, mais en ce moment, il a pris un peu de recul, je ne sais pas pourquoi. Donc, Nini Dohare, il dit que c'est un andako fihon. Donc, mais abonnez nouveau clip, ma colle 18. Il faut y aller sur YouTube, ma colle abonné. Si nouveau clip, il y a qui partage mon like, fio he ou vide, parce que c'est une journée force, mais waouh, et après, mais c'est bien, il y a une journée de force. Harry, Harry, encourage à taper fio, mais. Yimoto quoi, haré kon non, oyi non big soul le di moji mou ono tawande, son non wali non big soul kadi, wala, kanka di mo poussou de artiste bebe, fina bir gol be yeso, haré non ene wai mo rime soude, donc mi wala on tona sa pou mapion, paske big soul haré ko grand jugo kadi quoi. Maintenant la famille, on va partir voir le nouveau clip de Singleton qui va venir, parce que Singleton est en train de préparer un album, pire des sons, donc c'est parti. Donc là, Singleton nous annonce qu'il est en train de préparer un album Pire d'un sol qui va sortir bientôt. Et on ne peut pas nier, vous savez que c'est Singleton qui a été le premier artiste guinéen qui a valorisé le d'un sol en Guinée. Ça, on ne peut pas nier. Qui a valorisé le d'un sol en Guinée. On peut dire même en Afrique de l'Ouest. Voilà, parce qu'en Guinée, il y a plein d'artistes qui font du dancehall, mais quand ils regardent des artistes Afrique de l'Ouest, je ne vois pas trop des artistes qui font du dancehall, sauf en Guinée, parce qu'on a Zaga Boy, on a Singleton, on a Safa Diallo, on a qui aussi, les grands là, on a qui, j'ai oublié même son nom, donc on a plein d'artistes, et on a Moïse Gaza aussi, on dirait que c'est un Jamaïcain, donc on a plein d'artistes qui font du dancehall en Guinée, voilà, on ne peut pas nier, mais c'est Singleton qui était le premier artiste de valoriser le dancehall en Guinée, donc on attend son album pour voir, et après on va partager, liker, et même accepter, c'est très important de valoriser nos artistes. Maintenant on va partir voir aussi un artiste qui prépare un nouveau album qui va venir bientôt. Il y a plein d'artistes avec lui. Ça, c'est Yawad Amaka, featuring Saifon Baldi. Et ça, vous avez vu Yawad Amaka, featuring Saifon Baldi, qui va sortir bientôt. En ce moment, il prépare un nouveau album qui va venir bientôt. Donc, on attend son album parce que c'est un artiste engagé. C'est un artiste aussi qui valorise la musique guinéenne, la musique africaine. Donc, il a fait plein de featuring, voilà, parce que son album là, je pense que c'est du lourd. Son album, c'est du lourd parce que le mec, quand même, il a une belle voix. Le mec, il est engagé. Le mec, il fait du bon musique. Donc, on attend voir. Et maintenant, on va partir au Côte d'Ivoire. C'est parti.
frères et sœurs, j'avais vu Serge Benoît qui annonce les sorties de son nouveau clip le 26 juin. J'espère que les fans de Coupé Décalé, vous êtes là. Voilà, vous êtes là avec le nouveau clip de Serge Benoît. Voilà, Serge Benoît, tout le monde le connaît. C'est un artiste international qui fait Coupé Décalé, un artiste engagé. C'est un artiste qui a des joies de vivre. C'est un artiste qui crée beaucoup de choses. Donc, on attend voir parce que c'est un grand artiste africain. Maintenant, la famille, je vous laisse. À demain. Donc, regardez qui est le meilleur sapeur guinéen. Merci beaucoup. À demain.